industrie, il y a une tradition industrielle ici. Les trois entreprises que je vais voir aujourd'hui, elles sont plus que centenaires. En fait, Denis, ici, c'est même plus que 150-naire. Et moi, j'aime l'idée selon laquelle l'industrie, elle est de tradition, elle est inscrite dans l'histoire, mais elle se projette vers l'avenir. Donc là, on a trois entreprises extrêmement innovantes qui ont bénéficié du soutien de l'État pour se projeter vers l'avenir. Vous savez, quand on veut que les feuilles poussent, il faut savoir où sont les racines. On n'a jamais l'un sans l'autre. Et ici, pour moi, c'est vraiment ça, l'Eure-et-Loir. C'est un territoire industriel. Je connais bien les élus avec qui j'ai travaillé dans le cadre de mon mandat précédent. Et donc, dès qu'on est arrivé, on a discuté avec Philippe Biget, avec Guillaume Casbarian. On s'est dit, allez, on vient en Eure-et-Loir voir des belles entreprises de chez vous. L'industrie, elle est forte si elle est dans les territoires. Moi, je suis persuadé que pour régler les problèmes de fracture territoriale en France, on a eu des élections qui ont donné des résultats quand même extrêmement préoccupants, il faut le dire. Il faut réindustrialiser les territoires. Vous savez qu'un emploi industriel, c'est au moins trois emplois induits dans les services. On voit bien ici qu'à Brou, l'entreprise Denis, elle fait partie du patrimoine, elle fait partie de la vie collective, elle fait partie au fond de la vie quotidienne. Les gens qui travaillent ici sont aussi des gens qui vivent dans le coin. Et puis, on a aussi des emplois qui sont mieux rémunérés, qui sont formés, qui sont des emplois dans lesquels on peut progresser. Moi, j'ai vu des employés ici qui avaient plutôt le sourire, et donc ça fait plaisir. On veut réindustrialiser les territoires, il faut qu'ils aient accès à de la main-d'œuvre. Et ça, c'est pas facile. Donc, il faut donner envie d'industrie. Aujourd'hui, on a 70 000 emplois qui sont nous pourvus dans l'industrie française. Il faut donner à 70, 80, 90 000 jeunes l'envie d'aller dans l'industrie. Bon, merci à vous.